Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Eva et bienvenue dans ma conférence sur la découverte de la langue polonaise. Mais avant de commencer, j'aimerais bien remercier à tous les organisateurs pour cet événement, pour l'organiser. C'est la deuxième fois qu'on se voit en ligne. J'en suis très contente parce qu'on peut partager notre amour, notre passion pour les langues et pour la culture. Donc, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais partager mon écran avec vous et on va commencer. Donc j'ai déjà mentionné, je m'appelle Eva. Bonjour, dzień dobry. Quelques mots sur moi. Je suis polonaise. Je suis née en Pologne, au sud de la Pologne, à Katowice. Mais depuis 16 ans, j'habite en Angleterre, dans la région de Shropshire maintenant. Et j'aime beaucoup. Donc, je vais vous donner quelques informations sur mon parcours professionnel. Je suis une enseignante de polonais en tant que la langue étrangère. Je suis diplômée de la maîtrise en lettres modernes avec la spécialisation dans le FLE, français langue étrangère. Justement, avant de venir en Angleterre, en Pologne, j'enseignais le français dans un lycée. Je faisais d'autres travaux, mais toujours en utilisant mes langues étrangères. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de parler de ma langue maternelle en français, qui est ma langue étrangère préférée, il faut que je dise. Donc, j'enseigne le polonais ici en Angleterre. C'est ma passion d'aider les gens d'apprendre ma langue maternelle. Je suis une enseignante en personnel, donc j'enseigne à l'université de Chester et aussi en distanciel, plus en distanciel maintenant depuis la pandémie qu'en présentiel. Mon public, ce sont surtout des adultes qui veulent apprendre la langue. Donc des étudiants, des retraités, des gens qui travaillent, qui veulent partir pour la Pologne, et aussi des gens mariés à une Polonaise. Donc oui, l'amour, c'est une bonne raison pour apprendre le polonais. Et pour ça, j'ai créé mon site Digestible Polish où j'aide les gens à digérer la langue polonaise parce qu'on dit que en fait le polonais est une langue très difficile avec des milliers de règles, d'exceptions. Mais il faut pas être découragé. Et vous êtes ici, vous êtes venu ici à ma séance de découverte de la langue polonaise. Donc, je vais utiliser en fait mon expérience professionnelle pour vous présenter le polonais. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le programme aujourd'hui? C'est un crash course où je vais vous présenter en fait quelques notions de base, quelques expressions de base de polonais. Mais avant de commencer, pour faciliter la tâche, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interaction ici, c'est difficile en ligne. Normalement, je l'aurais fait différemment, ce type de cours. Donc, j'ai préparé en fait un document pour vous que vous pouvez télécharger sur mon site digestiblepolish.com/pg2021 si vous y allez maintenant ou après, si vous regardez ça après, si vous repassez, et vous voyez ça, un bouton Download the file for the talk. Donc là, vous avez un document, j'ai mis des choses dont je vais parler ici, vous pouvez faire des notes, vous pouvez suivre peut-être plus facilement. Donc vous pouvez y aller. Et là, maintenant, je vais vous dire de quoi je vais parler exactement. En fait, on va voir. D'abord, des bases nécessaires pour survivre en Pologne. Puis on va regarder comment commander une boisson, un café, un thé. Puis on va voir comment demander où se trouvent des choses. On va passer ensuite comment demander l'addition, comment vérifier le prix. Et finalement, dans la dernière partie, je vais vous donner quelques mots d'urgence. Il faut le savoir, si vous partez pour la Pologne, il vaut mieux savoir quelques mots d'urgence. Et aussi, lors de ces séances, je vais vous donner quelques informations sur la langue polonaise, quelques petits moments de grammaire
Pour vous donner une idée générale de la langue, moi j'adore la grammaire, il faut que je vous dise, parce que je crois que c'est en fait la colle, comme je dis en anglais, Grammar is the glue. C'est mon slogan. Vous pouvez connaître des tas de mots, et des verbes et tout ça, mais si vous n'avez pas, si vous connaissez pas des règles, vous pouvez pas créer des phrases. Donc, un tout petit peu de grammaire. Mais avant de commencer, dites-moi, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes ici, Dlaczego Polski, pourquoi? Et donc, si vous pouvez mettre dans le chat le numéro 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi vous êtes ici, c'est pour le loisir, vous avez un partenaire, un ami, ou bien c'est famille, vous voulez partir en Pologne et peut-être autre raison. Donc, dites-moi, je vais vérifier après. C'est difficile de faire ça en ligne, mais j'espère que vous êtes là. Donc, d'accord. Donc, on est prêt. On va commencer. Quelques mots sur le polonais, język polski. Donc, le polonais, la langue polonaise a le statut de la langue officielle en Pologne, où elle est parlée par environ 40, presque 40 millions de personnes en Pologne. Mais également, elle est parlée par les minorités polonaises des pays voisins et, bien sûr, un important nombre d'émigrés polonais qui vivent sur le, je sais pas, sur presque tous les continents. Moi, je suis un exemple aussi, je suis une émigrée. Donc, environ, on dit que le polonais parlait par environ 50 millions de personnes qui parlent polonais dans le monde. Oui, et le polonais, c'est la sixième langue parlée, la sixième langue parlée dans l'Union européenne. Voyons des origines. Donc, polonais fait partie des langues slaves. Bien sûr, c'est une langue indo-européenne qui appartient au groupe des langues slaves et exactement des langues slaves occidentales avec le tchèque et le slovaque. Donc, le polonais, il faut que je vous dise que c'est la seconde langue slave la plus parlée au monde après le russe. Après le russe. Encore. Ensuite, donc avant de continuer, si vous avez téléchargé ce document dont j'ai parlé, donc vous pouvez suivre, mettre des informations, faire des notes, comme vous voulez. Donc on continue après un tout petit peu sur l'alphabet polonais utilise l'alphabet polonais utilise l'alphabet latin. Mais il le complète afin de l'adapter à sa propre phonétique. Donc, comme vous voyez, il y a la partie commune et puis il y a d'autres lettres parce qu'il y a des accents, une sorte de cédille. Comme vous voyez, il y a un point sur le Z, il y a une slash sur le L, donc les diacritiques. Et comme vous voyez, les trois lettres, donc c'est Q, Q, V et X, en fait, ne sont pas utilisées en polonais, mais on les voit dans les mots d'origine étrangère. Donc, en total, on a 32 lettres, 23 consonnes, 9 voyelles. Si on parle de l'intonation, l'intonation de la phrase polonaise est bien différente de celle du français, parce qu'en polonais, on accentue toujours l'avant-dernière syllabe des mots. C'est l'avant-dernière. D'accord. Donc, ça, c'est l'alphabet. Quelques mots sur la prononciation polonaise. Bah, du premier coup, mes étudiants me disent toujours, mais c'est comment on prononce ça, tous ces mots avec toutes ces consonnes. Ça peut paraître difficile, comme vous voyez, mais chaque lettre correspond à un son. Il y a aussi des combinaisons de deux lettres qui représentent chacune un son. Mais c'est pas tellement compliqué, croyez-moi, parce que si vous apprenez des règles, si vous savez par exemple, regardons ici, chusteczka, c'est CH, c'est RE. Donc, si vous apprenez ça, ça sera comme toujours comme ça. Donc, tous ces diacritiques, décorations, ça peut être intimidant, mais
Moi, je conseille toujours d'apprendre des règles de prononciation graduellement. En fait, quand vous voyez des mots, quand vous voyez des mots nouveaux, vous apprenez. On va faire maintenant ensemble. Regardez. J'ai préparé deux mots, en fait. Ici, on a un café, du sucre. Un café, c'est kava. Kava. Donc, regardez comment j'ai prononcé W. W-S-V, kava, kava, and sucre, tsukir, tse. Donc là maintenant, sur votre document, vous pouvez mettre des notes sur la prononciation, c'est pour vous. Donc, kava, tsukir. Donc, croyez-moi, c'est pas tellement difficile le polonais. Vous êtes ici, vous avez envie de découvrir cette langue. Donc, maintenant, on va passer à la première partie. En fait, je divisais en cinq parties, comme je mentionnais avant. Donc, on va commencer par les bases nécessaires de la langue. Donc, quelques mots de politesse. Donc, ce que j'ai préparé pour vous, c'est dzień dobry. Bonjour. Dzień dobry. Dzień dobry. En polonais, comme en français, il y a deux niveaux, donc formel et informel, c'est comme en français, tu et vous. Donc, si vous voulez, aussi, il y a le cześć, comme salut, pour le niveau informel. Dzień dobry, cześć. Ensuite, un autre mot très important, merci, dziękuję. Dziękuję. Comme vous voyez, DZ, c'est toujours, il y a beaucoup de mots qui commencent comme ça et on a beaucoup en polonais. Dziękuję. Voilà le son. Ensuite, passons à przepraszam. Przepraszam. Donc, c'est excusez-moi. Excusez-moi aussi, pardon, je suis désolée. Przepraszam. Przepraszam. Voilà les trois mots. Donc, les trois mots indispensables. Dzień dobry, dziękuję, przepraszam. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, passons à la deuxième, là où j'ai préparé ordering. Donc, comment commander une boisson, par exemple. Donc, imaginez, vous êtes dans un café et vous voulez commander un café. Donc, là, un autre mot très important, proche, s'il vous plaît, proche. Mais proche, moi je dirais que c'est un mot indispensable. Si vous me demandez, Eva, quel est le mot polonais qu'il faut que j'apprenne le premier, moi je dirais proche. Parce que c'est pas seulement s'il vous plaît, ce mot est très utile dans beaucoup d'autres situations. C'est je vous en prie, l'étenez, continuez. Ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez dire pardon, donc prochain, prochain. Donc c'est apprenez prochain. Donc revenons à notre café. Donc là maintenant on va commander ce café. Prochain cave. Prochain cave. Regardez, le mot un café c'est cava. Ben, je l'ai mentionné avant, c'est cava. Regardez ce qui s'est passé, hein, ce qui s'est passé à la fin. Kava a changé tout un, so, a un. Ce que s'est passé, en fait, c'est une déclinaison. Donc, un petit moment de grammaire. Donc, en polonais, on a des déclinaisons. C'est un petit suffixe, comme vous voyez, que l'on accroche au mot pour indiquer, en fait, leur fonction grammaticale. Donc, ce petit suffixe me dit que c'est le sujet, ou si c'est l'objet direct, indirect, ou c'est avec quoi je fais l'action. Donc, des cas. En polonais, on a les cas. Regardez quelques exemples avec kawa. Donc, si je dis kawa, juste kawa, un café. Moi, si je dis un café, s'il vous plaît, prochain, kawę. Donc, il y a un autre cas. Si je dis je n'aime pas le café, je dirais nie lubię kawy. Encore un autre suffixe. Si je dis marge au café, je rêve d'un café. Un autre suffixe. Et ça, c'est en fait vrai. Marge au café. Donc, en polonais, vous savez combien il y en a?
Sept cas. Et tout se décline, y compris le nom, même mon nom, Eva, et il y en a sept formes, il y a sept formes. Ça peut paraître probablement compliqué au début. Moi, quand j'enseigne, surtout ici en Angleterre, aux Anglais, c'est pour eux, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ils ne connaissent pas de langue à déclinaison. Moi, je dis toujours, ne vous découragez pas. Parce que même si vous n'employez pas le bon cas, le message reste clair, le sens reste clair. Moi, je peux vous entendre. Donc, si vous me dites proche cava au lieu de proche cave, moi, je comprends. Donc, si vous partez pour les vacances, pour la Pologne, ce n'est pas la peine d'y penser. C'est juste pour vous dire. Il faut être, soyez pas peur de faire des erreurs. Vous allez être compris et vous allez avoir votre café. On continue. Donc, on a cava. Aussi, j'ai préparé quelques autres boissons comme herbata, le thé, ou voda. Herbata, voda. Donc, vous pouvez choisir. Pas tellement difficile, non? Et surtout, si vous voulez des boissons italiennes, pas de problème. Proche espresso, proche latte, proche cappuccino. Donc, c'est quelque chose pour vous. Maintenant, on va pratiquer. Donc, moi, je vais vous demander tso de la pani pour vous, madame, ou pour vous, monsieur, tso de la pana. Et maintenant, vous me dites proche. Ah, j'espère que vous avez dit quelque chose. D'accord, on continue. On continue. Quelque chose d'important ici, c'est de demander, en fait, de demander l'addition. Donc, on va utiliser encore une fois notre prochain, son prochain, et puis on va ajouter l'addition qui, en polonais, on dit rachunek. Prochain rachunek. Donc, l'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Prochain rachunek. On continue, un petit moment de grammaire. Si vous regardez ces trois boissons, kava, herbata, voda, vous voyez, en fait, elles terminent toutes avec un a. Et ça nous dit, c'est une information sur le genre. Donc, en polonais, comme en français, chaque nom a un genre. Si ça termine avec un a, c'est genre féminin. Mais en fait, en polonais, il en existe trois. Il en existe trois. Quelques autres exemples. Sok, masculin. Voda, donc là maintenant vous savez, c'est féminin. Et aussi il y a le neutre. Le neutre, ils sont faciles à le reconnaître parce qu'ils se terminent surtout souvent par o ou par e. Et féminin termine par a et les autres c'est masculin. Donc ça c'est facile pour commencer. Donc il y en a trois genres, il y en a trois au singulier et deux, en fait il y a deux genres au pluriel, masculin personnel en non masculin. Donc quelques informations sur la grammaire. Donc trois genres. Et moi il faut que je vous dise pour moi quand moi j'apprenais le français en Pologne, pour moi c'était choquant parce que en fait le chocolat pour moi c'est chocolada, c'est féminin en polonais. Et par exemple la boxe, c'est masculin en polonais. Comment un sport tellement masculin, féminin. Donc malheureusement, ça ne couvre pas. En fait, en polonais, il y a trois genres, en français deux. Bah, il faut apprendre. D'accord. Donc juste une petite anecdote. Alors maintenant, on continue. Ah, encore une chose. Quand vous voyez, regardez, chocolat, le chocolat, boxe, la boxe. En polonais, il n'y a pas d'article. Bon, il n'y a pas d'article, pas du tout. On continue avec la troisième partie. Dans la troisième partie, gdzie jest bankomat? Donc, on va se demander où se trouve quelque chose. Donc, si vous êtes en Pologne et vous voulez demander, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je choisis pour vous comme exemple? Oui, je choisis le distributeur. En polonais, bankomat. Bankomat. Maintenant, on va revenir. Je vais voir si vous vous rappelez de ce qu'on a dit déjà. De ces trois mots, lequel était, excusez-moi,
Bah, j'espère que vous avez répondu. Przepraszam. Oui, c'est ça. Donc, on va utiliser przepraszam et on va ajouter przepraszam. Gdzie jest bankomat? Przepraszam. Gdzie jest bankomat? Donc, gdzie? Où? Ensuite, on a jest et où est? Et le distributeur. Donc, przepraszam, gdzie jest? Donc, ça, c'est le début que vous pouvez aussi, le début de la phrase que vous pouvez utiliser pour demander dont vous avez besoin. Par exemple, przepraszam, gdzie jest? Si vous avez besoin d'une pharmacie en polonais, apteka. Przepraszam, gdzie jest apteka? Ou peut-être, ça c'est très important pour savoir, przepraszam, gdzie jest toaleta? Przepraszam, gdzie jest toaleta? Donc, przepraszam, gdzie jest? Ça? Allez, on continue. Quatrième partie, comme je dis avant, comment demander le prix? En fait, on a déjà vu avant comment demander l'addition. Vous vous rappelez comment c'était? L'addition? Proszę. Et puis, on ajoutait rachunek. Rachunek. Proszę rachunek. Maintenant, on va demander le prix. Bon, imaginez, vous voulez acheter quelque chose et vous voyez pas le prix. Donc, la question, ça serait ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Donc, on a ile, combien, to, ça, kosztuje, combien ça coûte, kosztuje. Voilà. Et maintenant, on va passer, je ne sais pas si vous avez, si vous voulez mettre des notes sur la feuille. Donc là, vous voyez tout ça, j'ai préparé pour vous. Vous pouvez mettre des traductions dans votre langue. Et finalement, on va passer à la cinquième partie où j'ai préparé des mots d'urgence, quelques mots d'urgence. Bah, j'espère que vous n'aurez pas besoin de les utiliser lors de votre séjour en Pologne, mais au cas où, on va voir. Donc, juste trois mots indispensables, et moi, je les appelle trois P, parce qu'ils commencent avec un P. Donc, on a pomocy, policja, pożar. Pomocy, policja, pożar. Donc, regardez, trois P. Pomocy, donc c'est au secours. Policja, ça c'est facile. Et puis, on a pożar. Pożar, donc au feu. Trois mots indispensables. Vous pouvez faire des notes sur la prononciation ici. Par exemple, pożar, je, donc Z avec un dot, Z avec un point, je, pożar. OK. Et aussi, j'ai préparé quelque chose pour vous, quelque chose supplémentaire, bonus. Comment dire, en fait, si imaginez, vous êtes en Pologne et quelqu'un parle polonais et vous voulez dire je ne parle pas polonais. Donc ça, vous allez dire nie mówię po polsku. Nie mówię po polsku. Regardez, le nie, donc ça, c'est le mot pour créer la négation, pour nier quelque chose. Il faut le mettre avant le verbe. Et comme ça, vous êtes dans la négation. Nie mówię po polsku. Donc, si vous voulez dire que vous parlez polonais, donc, il faut juste omettre nie. Donc, mówię po polsku. Mówię po polsku. Donc, c'est comme ça la négation en polonais. Bon, j'espère qu'un jour, vous pourriez dire mówię po polsku. Mówię po polsku. Oh, si vous voulez, si vous parlez déjà un peu, je vous donne un autre mot. Mówię trochę, trochę, un peu, trochę. Mówię trochę po polsku. Regardez aussi mówię, donc je parle,
Un moment de grammaire. Un moment de grammaire. Regardez, en français, je dis je parle. En polonais, je ne dis pas ja mówię. Donc, il n'y a pas de pronom personnel. C'est la personne verbale. C'est comme en latin, le polonais inclut dans ce verbe l'information sur la personne. Donc, ça veut dire que c'est la conjugaison qui indique la personne. Ce n'est pas le pronom personnel. C'est pour ça, en polonais, on ne les utilise pas. Moi, je ne dis pas « ja mówię », je veux dire « mówię ». Bon, on les utilise pour intensifier quelque chose, pour dire « moi », ça serait « ja ». Mais avec un verbe, il n'y a pas besoin. Donc, juste « mówię ».« Mówię ». Et par exemple, prenons un autre verbe. Qu'est-ce que j'ai ici? Être. Je suis. Ja jestem. Ty jesteś. Tu es. Non, pas besoin de ja, pas besoin de te. Je tu. En polonais, c'est juste jestem, jesteś. Donc ça c'est important quand vous apprenez la langue d'apprendre des conjugaisons parce que c'est là l'information qui parle. C'est le verbe qui indique la personne. OK, donc c'était voilà dernier moment de grammaire. Grammar is the glue. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, quelques mots, vous avez retenu quelques mots. Donc, tout se trouve ici sur votre document. Donc, on va en fait réviser qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Il faut toujours consolider. Donc, d'abord, ce qu'on a vu, des trois mots, trois mots, je dis indispensables. Dzień dobry. Dziękuję, przepraszam. Donc, bonjour, merci, excusez-moi, pardon. Ensuite, on a passé dans un café, dans la deuxième partie, et on a découvert proszę, très important, proszę, proszę kawę. Proszę kawę, proszę herbatę, wodę. Bon, vous pouvez continuer avec vino, vodka, ce que vous voulez. Ensuite, on a appris comment demander où il y a des choses. Przepraszam, gdzie jest? Et on a l'exemple du distributeur. Gdzie jest bankomat? Przepraszam, gdzie jest bankomat? On a vu apteka, on a vu toaleta. Ensuite, on a appris comment demander l'addition. Proszę rachunek. Proszę rachunek. Ensuite, ile to kosztuje? Combien ça coûte? Très important, si vous allez au marché, peut-être, on ne voit pas de prix. Ile to kosztuje? Combien ça coûte? Et finalement, trois P, trois mots d'urgence, trois P. Pomocy, en secours, policja, police, pożar, au feu. Trois mots. Et finalement, je vous ai donné cette phrase pour dire nie mówię po polsku. Si vous voulez mówię po polsku, je parle polonais, mówię po polsku, po francusku, po niemiecku. Donc, ça, c'est la construction. OK. Donc, j'espère. Que ça vous a donné une idée sur la langue polonaise. Dziękuję bardzo. Donc là, maintenant, j'ai ajouté bardzo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme j'ai dit au début, moi, j'enseigne polonais autant que la langue étrangère, et surtout ici aux Anglais, mais aussi bien sûr en ligne. Et vous pouvez me trouver sur mon site Digestible Polish, où c'est le site pour les gens qui apprennent le polonais. Et si vous avez aimé ce petit cours, cette petite introduction à la langue polonaise, moi aussi j'ai un cours complet, Polish Crash Course, vous pouvez trouver sur mon site. Donc c'est avec le vocabulaire plus ciblé, plus développé. Donc je vous ai donné juste une échantillon de ce cours. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de c'est pas le but. C'est pour parler, pour communiquer. Si vous allez en Pologne, donc vous pouvez vérifier si vous avez envie. Pour les participants de ce Polyglot Gathering, j'ai aussi une remise de 25% avec le code PG 2020, 2021.
Et sur mon site, vous allez aussi trouver mon e-book, des idées, des conseils pour apprendre le polonais. Vous pouvez le télécharger. D'accord. Et ben voilà, c'est tout de ma part. Je vais vous dire dziękuję bardzo. Et encore un autre mot, do widzenia. Mais avant de dire do widzenia, en fait, je ne sais pas si vous avez, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre. Maintenant, je vais passer là. Ah, d'accord. Je vois quelques questions. Attendez, je vais lire. Juste un instant. Quelques changements ici. Question. OK. Question de John. Est-ce qu'il existe des différences de prononciation des mots ou des dialectes différents selon les régions en Pologne? Ah voilà, merci pour le mettre ici. Ou en fonction de génération, par exemple. Ah d'accord, les dialectes en Pologne, des différences. En fait, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de différences. Le polonais est bien, bien standard. En fait, il y a des langues, je dirais, à part. C'est le Kachub, je crois en français, Kachub et Silésien. Donc, ils sont vraiment distingués. Mais sinon, y a pas, vous allez, si vous apprenez le polonais standard, vous allez être, comprendre, vous allez être comprendre partout. Je dirais pas de dialecte, peut-être il y a des mots, il y a des mots locaux, mais pas comme par exemple ici en Angleterre, c'est vraiment, ça change d'une mile to mile. Mais en polonais, non. En fait, il y a bien sûr, il y a le, comme je dis, en Silésie, il y a un dialecte, le Kashub, puis il y a la Mazovie, Poméranie, mais vous allez peut-être comprendre. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les assimilations des sons le plus fréquents? Quand il y a beaucoup de consonnes, on ne peut pas les prononcer tout ensemble. Ah oui, avec les consonnes, avec beaucoup de consonnes dans un mot. Oui, ça peut paraître intimidant. Les consonnes, voilà, les combinaisons sont surtout très difficiles, sont S, Z, C, Z, CH, CH. Moi, je crois que c'est la question. Je crois que c'est la question de. C'est quoi la question de la pratique? Quand vous apprenez des règles, vous savez comment prononcer. Juste pratiquer, voyons des mots, comment prononcer syllabe par syllabe. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, de plus, je sais qu'il existe des sons nasaux comme en français. Pourriez-vous comparer ces sons du polonais et ceux du français? Oui, d'accord. Oui, on a deux sons nasals, on fait deux nasals. Et moi, je comparais c'est E avec une sorte de cédille et A avec sorte de cédille. Donc, si je prononce A en tant que A, comme dans mon nom, Eva, c'est A. Si j'ajoute cette cédille, je dirais on. C'est en français, si je compare un mot en français, ça serait bon. Bon, très, pas la même chose, mais très similaire. Donc, bon. Bon, on. Avec le E, son Eva, son E, Eva. Et puis, E avec ce dit, ça sera un. Et pour choisir un mot français, je dirais vin. Le vin. Un très très similaire donc c'est ça un. Par contre e avec cédille c'est pas toujours par exemple à la fin on prononce pas on ça perd sa nasalité quand vous avez appris aujourd'hui prochain il y avait une cédille moi je disais pas prochain c'est prochain ça se perd là bah, voilà oui il y a d'autres questions.
Quand utilise-t-on go versus yego, mu versus yemoi? Voilà les questions de grammaire. Donc là, je vous invite sur mon site. Go, le pronom, l'oublier go, je l'aime. Donc ça, ce sont des pronoms dans l'accusatif. Je l'aime. Ou bien je l'aime seulement lui. Je l'aime seulement lui. Donc c'est pour intensifier, then vous allez dire yego. Yego. Lubiego, lubie Puis qu'est-ce qu'on a? La même chose with mu, yemu. Intensifier. Vous avez mentionné une feuille où on aura. Où... Ah, on aura accès à la feuille. Oui, à la feuille sur mon site Digestible Polish. Comme vous voyez ici, digestiblepolish.com/PG, je crois que c'est Polyglot Garing, PG 2021. Donc là, vous allez voir la feuille, le bouton pour télécharger la feuille. Voilà. Ah oui, je vois. Question. Pouvez-vous nous enseigner à compter jusqu'à 10? D'accord. On va vite fait. Oui, on va faire. Voilà la question. Voilà la question. Comptez jusqu'à 10. Donc, jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez repasser. D'accord. Ben, je crois que c'est tout. Y a-t-il une langue qu'une Polonaise peut comprendre beaucoup sans apprendre? Moi, tu veux dire que si je peux comprendre une langue sans apprendre? Moi, je peux comprendre le tchèque, le slovaque, c'est la même famille. Donc, je me débrouille. Je me débrouille avec ces deux langues. C'est quoi? Ah, c'est ici. C'est quoi un lagoon? Lagoon? Croissant, c'est dire au Gaélique. Lagoon, je ne sais pas ce que tu... Croissant, mais si, par contre, rogalik, donc rogalik, croissant, un petit croissant, rogal. Rogal, c'est un croissant polonais, si vous avez vu. Rogalik, c'est la forme diminutif, rogalik. Mais lagoun, je ne sais pas si c'est un lagoun. Rogalik, j'espère que j'ai répondu. Je suis un débutant, je ne reconnais pas les verbes. Aider, au secours, pomocy. Vous pouvez dire pomocy. Les verbes, donc il y a quelques groupes de verbes, comme en français, mais on a un peu plus en polonais. Je commencerai par apprendre deux verbes de base, être, avoir. Et puis partir avec les verbes. Quand vous apprenez les verbes, en fait, de les mettre dans les groupes. Comme moi, je le faisais en apprenant le français. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait mówić, parler, on avait mieć. Donc, il faut voir quels sont les groupes. Je sais pas, je crois que j'ai un article sur les verbes. Sinon, je vais ajouter sur mon site avec des groupes de verbes polonais. Mais en fait, je veux dire qu'il faut que je dise que c'est pas tellement compliqué. Je sais que chaque personne, il y a des suffixes différents, mais ça se répète. Ça se répète. Les groupes. Diviser les verbes dans les catégories. Ok, regardez. Ah oui, d'accord, je vois. C'est la fin. Donc, j'espère que je vous aidais un tout petit peu. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, vous pouvez me contacter.
mon courriel sur mon site. Et j'espère aussi que l'année prochaine, on pourrait se voir en Pologne, à Terracine, et on pourrait parler polonais, Będziemy mówić po polsku. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous, merci pour votre participation et do widzenia.